Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape note d'une nouvelle information du côté du Burkina Faso. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, laissez-nous un pouce et abonnez-vous. Toujours couteau en commentaire et respectez les règles de la communauté. Info ou intox. La présumée tentative de la putsch vivante du pouvoir du patron de la transition burkinabé a initialement été divulgué par le site Omega Media, selon lequel le capitaine Traoré a confirmé hier la dite tentative de déstabilisation lors d'une rencontre à Ouagadougou avec des organisations de la société civile et des leaders coutumiers et religieux, affirmant aussi connaître les auteurs de la manœuvre, mais préférant ne pas les arrêter parce qu'ils voulant privilégier le dialogue. Rapport Omega Media, au coup d'état étouffé dans l'œuf et ne était sorti de la manifestation à la place de la nation et au rond-point de la notion unique dans la nuit du 27 au 28 novembre. On n'en aurait rien su énoncer aujourd'hui. Lequel quotidien burkinabé s'interroge. Un push pour quoi faire à peine un mois après l'événement de ce régime, Sankarisant. N'est-il pas temps qu'on sorte de cette putsch, de cette épidémie réelle ou inventée? Aujourd'hui, n'écartons pas l'hypothèse selon laquelle cette affaire pourrait relever de la catégorie des infos et des caniveaux. À quoi le façonnette ajoute que le chef de la transition burkinabé aurait aussi affirmé que des sommes d'argent ont été distribuées et que les auteurs de tentatives de déstabilisation sont bien connues. Énoncé ce journal en ligne qui veut déposer le capitaine Ibrahim Traoré, se demandant ainsi, selon le site quotidien gouvernemental ivoirien, d'aucune pensée que cette annonce du jeune capitaine relève de tactiques politiciennes pour continuer les bénéfices d'un fort soutien populaire. Fakma Info note quand même que dans la nuit du dimanche à lundi dernier, des partisans du capitaine Ibrahim Traoré ont fait le pied de cru, placé de la nation à Ouagadougou pour prospecter contre cette tentative de putsch. Et Fakma Info signale que sur les réseaux sociaux, notamment tantôt les Burkinabés, mais des Africains d'autres parties du continent hospitaliers, à la présence française est plutôt favorable à une coopération avec la Russie. N'ont pas attendu que le capitaine Ibrahim Traoré désigne un commanditataire Étienne Paris pour responsable de la tentative du putsch. D'un fait, mentionner le chef de la transition, les responsables et les militaires proches de l'ancien président de la transition, colonel Paul Henri. Et plusieurs autres figures politiques ne seront pas épargnées non plus, ajoutées.